Mais il faut pas retarder le général parce qu'il a attendu. Oui. Ok, c'était quoi ta question au niveau de votre adresse? Écoutez, nous avons fait le point sur l'opérationnalisation de la force africaine en attente, puisque c'est la mission du général auprès de l'Union africaine. Vous savez que nous avons planifié il y a quelques années une opérationnalisation dans l'année 2015. Nous avons essayé de voir quelles étaient les pistes pour parvenir à cette échéance, même si ce n'est pas vital en soi, ça peut être un ou deux ans plus tard, ce n'est pas grave, mais il faut maintenant marquer le chemin, peut-être effectivement organiser un exercice qui permettrait à l'Union africaine de redynamiser tout ça, et puis voir aussi s'il fallait plus ou moins faire effort sur les entités économiques régionales ou sur l'échelon central. Je pense qu'effectivement, ce que nous faisons actuellement auprès notamment de la CDAO et de la C2EAC est important, et on devrait peut-être accroître notre aide auprès de ces deux entités régionales. Il y a beaucoup de choses à faire. Le programme est vaste, mais avec le sommet d'Elysée qui est organisé par le président de la République François Hollande début décembre, c'est un rendez-vous majeur où là les présidents africains pourront s'exprimer, demander ce qu'ils souhaitent voir en termes de soutien, de conseil, d'aide, et c'est l'occasion rêvée pour refaire un point général. Voilà. Merci. Merci. Bon général, bonne mission. Okay, bon. Merci beaucoup. Et puis bon retour à Addis. Ok, merci. Tout seul, ça fait 100 chambres.
On va faire une photo. Bien joué.